Le 21 avril prochain, la reine Elisabeth II fêtera son 93e anniversaire. Une date qui coïncide cette année avec les célébrations de Pâques. Le 93e anniversaire d'Elisabeth II sera un peu spécial. Le 21 avril prochain, la monarque britannique sera en effet à l'honneur. Mais cette année, elle ne profitera pas d'une célébration en petit comité. En effet, sa date d'anniversaire coïncide avec le dimanche de Pâques, une fête importante outre-Manche. Ce jour-là donc, Elisabeth II devra se rendre à la chapelle Saint-Georges à Windsor, comme le rapporte Hello Magazine. Le souverain passe habituellement les vacances de Pâques au château de Windsor et sort toujours le dimanche de Pâques pour le service religieux traditionnel. Pour l'occasion, Elisabeth II devra se passer de plusieurs personnes de la famille royale britannique. Notamment de son époux, le prince Philippe, qui snobe désormais les apparitions publiques. Pour les vacances de Pâques, le prince William et Kate Middleton devraient profiter de quelques jours à Norfolk avec leurs trois enfants. En revanche, le prince Harry et Meghan Markle pourraient bien accompagner la reine. Depuis quelques jours en effet, ils ont déménagé à Windsor. Mais si le Royal Baby pointe le bout de son nez d'ici là, les parents ne seraient évidemment pas de la partie. Les petits-enfants de la reine, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, dont le père, le prince Andrew, habite à proximité du Royal Lodge, devraient y assister cette année, tout comme Lady Louise Windsor et James. Peter Phillips et son épouse Autumn, ainsi que Zara Tyndall, sont aussi attendus. Après le service religieux de Pâques, la famille retournera au château de Windsor pour un déjeuner. Cette année, elle fêtera certainement l'anniversaire de la reine autour d'un gros gâteau. There's all times through the rough times I've been.